Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un territoire, hein, ou qu'est-ce qu'on entend par territoire. Premièrement, pour moi, un territoire, ce n'est pas neutre. Un territoire n'est pas qu'un spectateur, c'est un acteur. Alors ça, c'est important, d'établir ces choses-là. Et je dirais que là-dessus, je me base sur Emmanuel Kant. Hein, donc, il faut revenir à Emmanuel Kant, qui, lui, a donné, une tâche à la géographie à cette époque-là. A dit, il faut que les géographes puissent être capables de comprendre la relation entre l'homme et la nature. Donc, relation homme-nature. Ça, c'est une première problématique. Donc, à partir de ce moment-là, si on dit la relation homme-nature, ça veut dire que la nature n'est pas neutre. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans la nature qui fait en sorte que l'homme va aller se situer à un endroit ou à un autre. Elle n'est pas neutre. Ça, c'est une première chose, je pense, qu'il faut être, à mon avis, comprendre quand on parle de territoire. Là-dessus, les acteurs, les auteurs, pour moi, qui ont été très marquants dans cette problématique-là, de cette question-là du rapport homme-nature, eh bien, moi, c'est Gilles Richotte et Gaétan Desmarais, hein, qui ont écrit, en fait, des ouvrages de base, donc, dans les années 80, 90, et qui se sont justement posé la question, M. Richotte, entre autres, Gilles Richotte, lui s'est posé la question, est revenu au rapport homme-nature, et pour comprendre la relation entre l'homme et la nature, donc il est revenu et il s'est reposé cette question-là. Parce que je pense que la géographie, elle a fait une petite erreur, elle a coupé, en fait, la relation en faisant géographie physique et géographie humaine, on a coupé un peu la relation entre l'homme et la nature. Il faut revenir à cet esprit-là, je pense, pour comprendre les territoires. Les axes d'analyse, donc, que j'utilise, et aussi, je dirais, les concepts qui vont être au centre de ça, que M. Richotte et M. Desmarais ont développé, c'est ce qu'on appelle la structure des positions. Hein? La structure des positions, ce sont les valeurs, mais la valeur, mais pas la valeur économique, nécessairement. Hein? Pour moi, la valeur n'est pas nécessairement économique. La valeur d'un territoire, par exemple, elle est d'autres. Il y a d'autres ordres aussi, d'autres manières de voir la valeur d'un territoire. Alors ça, c'est des concepts, valeurs, structure de position, hein, qui sont assez centrales. Et une chose que ces deux chercheurs-là donc, ont mis en place aussi, c'est essayer de voir si on ne pourrait pas avoir une objectivité spatiale. Donc, la spatialité peut être étudiée en tant que telle et comprendre l'objectivité spatiale. Ça, c'est central, hein, dans l'approche, qui est une approche donc géographique structurale. Alors, c'est de la géographie structurale, donc, autour des questions donc, de la structure, mais dans l'espace. Et cette structure-là, justement, elle contraint l'évolution des variables socio-économiques. Contraint complètement, pas complètement, mais elle joue un rôle dans l'évolution des variables socio-économiques. Donc, quelle est cette objectivité-là, hein, dans le territoire? Comment la trouver, cette objectivité-là? Alors, c'est aussi la relation, et ça c'est important encore pour dans l'esprit donc de cette notion de territoire-là, la relation entre les formes et les forces. Comprendre que les forces ont un rôle à jouer, donc c'est les agents socio-économiques par exemple, OK? Mais la forme aussi. Donc, voilà, vous voyez, c'est encore l'esprit de dire l'idée que la forme a un rôle à jouer par rapport à la force. Donc là, quel est ce rôle? Alors, les ouvrages majeurs, je dirais, qui ont influencé ma pensée sur cette notion de territoire-là, eh bien, c'est l'ouvrage de M. Richotte, 1999, Collection géographie à l'Harmattan. C'est Québec forme d'établissement, hein, études de géographie régionale structurale. Alors, cet ouvrage-là est un ouvrage, en fait, de géographie régionale. Hein? C'est un ouvrage de géographie régionale. C'est presque une monographie régionale, mais revue. Hein? Ce n'est pas la géographie régionale classique, mais c'est une revue, c'est une géographie régionale structurale qui reprend donc tout le Québec, l'histoire du Québec et l'organisation du Québec, mais avec la lecture théorique où la spatialité a un rôle à jouer dans cette organisation-là. Alors, c'est un ouvrage, à mon avis, essentiel pour comprendre cette problématique-là. Alors, les autres ouvrages, à mon avis, c'est l'ouvrage central. Autour de ça, il y a l'ouvrage aussi de Desmarais et de Richotte sur la géographie structurale. Je pense que ça, il faut, à mon avis,
la consulter pour comprendre justement le premier problème hein, du rapport homme-nature, la première question qui a été posée sur le rapport homme-nature et la relation du rapport homme-nature, qui, quand on veut être, je dirais, quand on veut l'expliquer beaucoup plus détaillément, alors là, vous voyez, là, je... Pouf! Mon Dieu, là, je suis tout raté. Je viens de rater complètement, excusez. Là, j'ai comme... Excusez. Là, tu vas être capable de reprendre le bout, non? Non. C'est impossible. Non, il faut que je reprenne la phrase. Hein. Je ne sais pas faire le montage, moi. C'est impossible. Alors, le rapport homme-nature, il faut bien le localiser, il faut bien le situer, il faut bien le comprendre. Ce rapport-là a été toujours vu d'une manière directe. Hein, un rapport économique au monde. Mais ce rapport économique au monde-là, je pense qu'il doit être mis en question, ou en tout cas, on doit le re-questionner. Hein? Et c'est ce que M. Richard a fait. Il a re-questionné ce rapport-là économique, et il s'est aperçu que ce n'était pas nécessairement économique. Et non, il est indirect, le rapport homme-nature. En fait, le territoire, il y a une géopolitique entre l'économique et un autre élément qui est important à comprendre dans les territoires, c'est le géo-anthropologique. Parce que ces variables-là permettent de comprendre la totalité d'un territoire. Parce que quelque part, il n'y a pas seulement la socio-économie, il y a aussi la géopolitique qui joue, donc le contrôle des territoires, je dirais, et l'anthropologique, qui est plutôt l'aspect culturel hein, des territoires. Alors, donc, le géopolitique, c'est justement le rapport indirect, il est là, et c'est régi par la règle de propriété. Elle peut être publique, elle peut être privée, semi-public, semi-privé. Elle peut s'exprimer dans une société d'une manière très différente par rapport aux sociétés occidentales, mais elle est quand même là, la règle de propriété, la manière de s'approprier l'espace. Donc ça, à mon avis, c'est important quand on étudie donc un territoire et comprendre donc les aspects théoriques que moi, je traite. Alors, ces éléments-là se retrouvent toutes. Alors, l'ouvrage qu'il faut vraiment... lire quoi, et bon, lire attentivement, vraiment attentivement, c'est Québec forme d'établissement, hein, études de géographie régionale structurelle, donc G. Richotte, 1999, chez L'Harmattan, collection géographie. Voilà. Merci.